Elle couche ses états d'âme sur du papier qu'elle choisit dans une boutique de Bergame, dans le nord de l'Italie. Elle laisse glisser sur la feuille sa plume qui saigne de l'encre bleue. Elle dessine des mots sans orgueil dans un tracé méticuleux. On entend la plume qui chante quand elle arabesque le papier. Elle a la phrase touchante que le buvard vient s'approprier. Les mots se collent et font des lignes, les pages bleuissent peu à peu. Écrire ainsi, c'est faire un signe, c'est comme un appel silencieux. La plume court, les pages tournent, elle dévoile des fragments de vie. Sur elle-même, elle se retourne, il lui semble qu'hier c'était aujourd'hui. On sent l'étrange odeur de l'encre qui fait briller un moment les mots à la faible lueur de la lampe posée à même le bureau. La plume crisse quand elle avance, c'est plus du chant que de la douleur. C'est une fenêtre ouverte sur la Provence où se noient parfums et couleurs. Écrire, c'est faire un grand voyage, c'est partir ailleurs et n'importe où, c'est peindre une toile, un paysage, un jour de beau temps au paradis. L'encre, c'est la sœur de la mer, et dans ses couleurs maritimes, ça vous emporte vers vos chimères sur un bateau illégitime.